Yo les petits potes, c'est Rookie. On se retrouve pour le deuxième épisode de Une nuque par arme sur MW3. Je continue un peu la série pour changer un peu de Warzone. J'espère que c'est une série qui vous plaît. Moi, ça me permet de changer un peu, de pas faire que du Warzone. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait une nuque sur Chipmunt avec la BP50. Donc, pour ce qui est de la classe, ce qui vous intéresse probablement, j'ai mis en gros la même arme qu'on utilise sur Warzone, un frein de bouche Casus, le laser Kimura Rill 33, la bande de poignée TRST-4, le kit Jack Revenger, et pour les munitions, par contre, j'ai mis les hautes pressions 9 mm, alors que sur Warzone, on va plutôt avoir tendance à mettre les grains élevés. En secondaire, j'ai toujours le shotgun, mais je ne l'ai jamais utilisé. Stimulant, Semtex cette fois, j'ai changé pour les Semtex et plus pour les mines de proximité, boîte de munitions, super important, les gants commando pour tout ce qui est recharge en sprintant, transition du sprint au tir amélioré, lampe ultraviolet pour voir les pas des ennemis, super important quand on essaye de faire des séries, de ne pas se faire avoir ou quand il nous faut un kill, et le gilet d'artilleur pour tout ce qui est recharger plus rapidement. Ce qui est vraiment important, bien que avec le Jack Revenger, on ait 60 balles. Et je sais pas si j'en ai parlé la dernière fois, mais qu'est-ce que je dis en série d'élimination? Donc pour la toute première vidéo avec la nuke sur la Striker, j'utilisais le drone, l'hélicoptère de reconnaissance, je crois que ça s'appelle. Ouais, l'hélicoptère de surveillance et le drone amélioré. Alors que cette fois-ci, j'utilisais le drone amélioré et l'IEM. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hélicoptère de surveillance, ça fait des kills. Et du coup, qui ne compte pas pour la nuke. Donc du coup, parfois, quand je regardais le score, c'était un peu... Je savais pas forcément combien l'hélico avait fait de kills. Donc il fallait que je soustraie par rapport au score pour savoir où j'en étais par rapport à la nuke. Sachant que parfois, j'arrive pas à faire la série de 30 kills tout de suite. C'est-à-dire que je tente une première fois, je meurs et je recommence. Donc du coup, aussi à chaque fois, faire des calculs de savant, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai enlevé tous les killstreaks qui faisaient... des kills et vraiment que des trucs qui me servent, le drone amélioré pour avoir la position des ennemis et l'IEM pour les gêner, notamment s'ils ont s'ils ont un drone en place, des séries, des lignes, tout ça, tout ça. Voilà, j'espère que ça vous kiffez cette petite série. Profitez bien du gameplay et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!
venu être au top de mais je peux pas vous passer ça. Ouais, pas ça.